Hey tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3, dans lequel nous jouons la France, avec pour objectif la conquête totale de l'Afrique, et j'ai nommé l'Afrique rose, donc l'Afrique aux couleurs de la France. On veut que tout soit de la même couleur. Alors, n'y voyez pas d'autres rapports, hein, s'il vous plaît. Attention quand même. Oui, je suis en train d'y penser, mais on peut partir très loin ce genre de conneries. Oui, je voulais voir mon infamie. Toujours par hier, hein, 126,3. On va faire, lors de cet épisode, on va faire la conquête des petits pays. Qui sont, enfin des petits pays, hein, quand je dis voilà, petits territoires, qui sont Liberia, Sierra Leone, Fouta Djallon, Karta, Fouta Toro, Ségou. Massina. Enfin, vraiment. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire tout ça sur cet épisode. Si ça passe pas, bon, bah, ça passe pas. Je découperai en plusieurs temps. Vu qu'on a nos relations, on arrive à les dégrader petit à petit. Ça devrait être pas mal. On va commencer par la Liberia qui nous avait fait une. En fait, ça a commencé à cause de la Liberia, j'ai envie de dire. C'est de leur faute, voilà. Qui avait comment dire, qui avait fait une rébellion, révolution, voilà, ils avaient voulu se rebeller et bon, ça me saoule d'avoir à gérer tout ça, donc on va les annexer et j'aurai pas à, à me prendre la tête avec tout ça. Hop, on cesse de dégrader. Non, je suis à combien? Ah, je suis encore à 20. Ah, c'était pile juste avant, juste. Donc je vais annexer ce sujet, en plus ça donne pas grand chose d'infamie, c'est 1,3. C'est vraiment rien. Ah, j'ai pas sauvegardé. Hop là, voilà. Et il devrait pas faire grand chose. J'aime pas s'il y a beaucoup d'habitants, quoi que ce soit. Ouais, non, c'est assez vide en général. Innovation. Chemin de fer électrique, ça peut être pas mal ça. Surtout pour 7 jours. Hop, hop, hop. Rapide, efficace, les gars. Société, est-ce que j'ai une petite recherche à faire là-dedans qui peut être intéressante? Monnayage? Pas dire non au monnayage, hein, quand même. Ils sont très inquiets. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de libérer des pays, hein. Si jamais il nous embête. Oh, la Nouvelle-Angleterre. Oh, ah ouais, c'est ici, là, ça va lui retirer tellement de trucs. Libéré. Bon, après, il va jamais accepter le territoire indien. Libéré. Nouvelle-Afrique, libéré. Bah, la Louisiane, bien évidemment. Voilà. Alors, on va quand même... Voilà, on va attaquer des convois. On va attaquer full convoi. Voilà. Et voilà, j'ai vu que là, il voulait en mettre un autre endroit ici. Voilà. On a beaucoup d'un coup là. Ah, bien coûteux. Opium. Oui. Vous n'allez pas me le rappeler qu'à chaque fois je peux pas produire assez d'opium.
Ok, par contre, on a bien augmenté notre production là de céréales d'un sens, mais ouais, faut que j'en exporte. Ouais, faut que j'en exporte des céréales. Et surtout de vin. Le marché siamois. Ah. On exporte au marché siamois, au marché ottoman. J'ai tellement de rab que. Oh la vache, mais ce que je produis en plus. Ah, la bouffe, pas cher, hein. Purée. Ah, venez chez moi, vous aurez de quoi manger à vie, hein. Radio. On va faire des constructions. Ah, les engrais, tu m'étonnes, ça coûte une blinde, tiens, avec tout ce que je. Tout ce que je consomme pour faire du vin. Même, tu sais quoi. On va faire agriculture simple. On va faire des agricultures simples là et là déjà. Ça va même pas me faire baisser moi. Ma production de vin, c'est cool. Par contre, il a. Ah ouais. Il se défend. Très bien. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Une invasion navale. Hop là, ici. Au niveau du district de Columbia. Oh, il y a François Lagrange. Y a du monde hein, quand même, hein. Mais il se pillait ses voies d'approvisionnement. Je sais pas ce que ça donne là. Ok. Ok, ouais, je vais lui foutre une petite misère. Bon après c'est bien là, s'ils sont là, ils sont occupés ici, ça veut dire que il y en a moins, moins là-bas, donc mon débarquement aura plus de sens. Là, on est à combien? On est à 20 jours. Une vingtaine de jours. Galicie. Non, Galicie, c'est pas chez moi. Pays-Bas, Grande-Bretagne, ok. Pays-Bas révolutionnaire. Oh, Bretagne, Grande-Bretagne révolutionnaire. Grande-Bretagne britannique, tu vas pas me dire que c'est les Highlands qui restent. Il reste à soutenir la Grande-Bretagne. Oh là, il y a un petit loupé là. Partie de l'Écosse qui soutient là. Oui. Ok, là on leur fout une petite piquette. Hein. Ah ouais. Et pourtant, je crois que j'ai des stats négatives en début. Hein. Bévue, oh ouais, une grosse bévue. Hein. J'aurais eu moins de pertes sans la bévue, quoi. Ah, ça c'est chiant. Hein. Sérieusement, regardez. Je fais rien. Là, ça en pause. Hein. Vraiment qu'il fasse quelque chose. Ok, alors on est comment là? Ah, ça va être tendu. Hein. Pas tant que ça. 236 d'attaque! Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Une fois que j'y suis, bah c'est juste à défendre. Ah ouais, ah la branlée. Earl Hoggy, je sais pas trop prononcer. Ok, voilà, on va l'appeler Ok. Earl Ok, voilà, chiant. Impeccable, voilà, j'ai pris. Oh la vache! Ouais, on va rester en état d'alerte ici. Ah non, ça compte pas comme dommage. On va se mettre en défense. On va envoyer quand même un petit peu de renfort au cas où. Voilà, tirer gros. Là, on lui pique du territoire. En plus, ouais, il en a rapatrié une partie. Voilà, macroéconomie. C'est cool. Wow!
Bon, les biens, ils ont augmenté là d'un coup là. Comment ça se fait? Qui sont chers, mais ah, les munitions, non, ça va en vrai. Parce que je vois que j'ai quand même, je suis quand même à 600 000 là, en revenus. J'étais à 1 3 000. Je sais pas si c'est le fait que je sois en guerre ou quoi. Ok, tout ça c'est conquis, ça c'est bien. Là, vu que je les ai mobilisés, autant les... Hop. Autant les utiliser. Loyal, loyal, loyal. C'est bien. Hostile, oui. De penser, oh là, ça c'est à choper des crampes, hein. On va escorter jusqu'à là-bas quand même. Faible accès au marché. Ah, parce qu'il me pille mes routes commerciales, mais je sais pas où. Mer Méditerranée de l'Ouest. Ou bah alors toi mon gars, ou je vais t'apprendre la vie toi. Patrouiller. Non, escorte. Comment je peux intercepter les ce qu'il y a là? Ça. Hop là. On va intercepter ces trucs là. Parce que ils m'ont intercepté un bon paquet, salaud. Alors qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire, toi? Hein? Qu'est-ce que tu crois faire? Hop là, on lui a fait un bon petit moins 10 000 avec... avec 30 000 blessés, oh là là. Ok, la Liberia, ça va être bon. Et lui là, il aurait quand même pas changé sa capitale pour le Colombia. Non, okay, c'est bon. C'est bon, il est à 39%, ça devrait baisser, hein. Ça va baisser normalement. Ça ferait, ça met du 3%. C'est pas énorme quand même, sachant qu'on tient sa capitale. Après, je lui demande quand même de fortes réparations. On va pas se mentir. Quoi? T'as que ça à foutre? T'as que ça à foutre de ta vie, toi? Tu vois pas que ta capitale est en train de se faire prendre là et... Et tu viens ici? Bon. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Est-ce que j'ai un avantage ici? Bah écoute, si j'ai un avantage ici. On va l'avancer l'avantage, hein. Puis, apparemment tu décides de partir de ton pays. Couillon va. Couillon que tu es. Est-ce que ça va passer après? Ça c'est la bonne question. Pas facile. Ça se resserre. Ok, normalement je la gagne. Fou moi d'améliorer les relations avec avec les Anglais. Hein.
Ouais. Quelle idée. Oh la vache, mais le nombre de... Voilà. On est décoré comme un pire rival, m'en fous. Sinon, j'avais envoyé des troupes, elles sont perdues en chemin, c'est ça? Vous avez perdu le... Ah, me dis pas qu'il y en a un qui est mort, genre pendant le trajet. Ah, j'ai l'impression. On va recruter un général en Occitanie. Maurice. On va recruter Maurice en Occitanie, là, il y a 75 hommes. J'ai de l'escorte, j'ai de l'escorte là, bah, tu sais quoi là, on va attaquer les convois. On va lui bouffer son approvisionnement lui. Là on a gagné, là on... Ah, une attrition ça. Foch. Ici. Pourtant j'ai une centaine de navires quand même, tu vas pas me dire que... L'approvisionnement il déconne, vraiment, avec une centaine de navires? J'envoie 100 bateaux pour escorter les gars, vous faites quoi? Enfin, 100 bateaux. 100 unités navales! Vous êtes pas foutu de défendre! Bon, ils arrivent un jour. Ok, allez, on va pouvoir. Il va perdre ses petits territoires petit à petit. Ça va être bon. Ça va valoir le coup. Ah, tiens, le Canada, oui, c'est vrai qu'ils sont... Ils sont plus sous le joug anglais, c'est cool. Mais bon, ça a été chiant. Mais ça va valoir le coup. Ils viendront plus nous embêter, quoi. Au moins pas de sitôt. Ou alors clairement pas aussi puissamment, quoi. On va faire de l'usine de munitions, on va rajouter 10 apparemment de la consommation. Ça on verra, ça on verra. Charbon, ouais, il va falloir que je trouve du pétrole. Vraiment, il va falloir que je trouve du pétrole. Les stats de trêve là. Normalement on est censé en avoir un peu plus. J'en ai combien? Ah, j'en exporte beaucoup en fait. Ok. On va passer nos premières industries. Hein. En pompe à pétrole. Ok, ça c'est bon. Il me va falloir des radios, mais là j'ai pas de techno encore. Bientôt. Hein. Si, je l'ai la techno radio maintenant. Ouais, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Plus 1600 radios. Ok. Ouais, le téléphone d'un coup ça coûte cher. On va subventionner et on va rajouter. On va rajouter 20 niveaux. On va faire de l'infrastructure aussi. Ok, on changera juste après les productions. Ah oui, non, oui, on avait dit les productions de mines. Charbon. 1000 pétrole, ça va, j'ai ce qu'il faut, hein, en vrai. Hop là, voilà. Et fer.
qui fait qu'en charbon, je suis très bien. Je suis même un peu trop bien. Putain. On va en exporter. Là, d'un coup, ouais, ma consommation de charbon a baissé. Forcément, ma consommation de charbon a baissé parce que bah, avant, ma technologie étant les motopompes à condensation qui consommaient du charbon, et vu que je fais encore plus de charbon aussi dans le même temps, autant dire que j'ai une grosse baisse de la demande de charbon là d'un coup. Est-ce que je peux faire quelque chose qui en consomme d'ailleurs? Ça pourrait être pas mal. Le minoir. Boulangerie automatique. Oui. Là, ça serait peut-être mieux que je les mette en défense. C'est pas grave. Ok, mes routes sont productives. C'est bien, ça veut dire que ce que j'ai fait en changement de tout à l'heure, ça a fonctionné. Je suppose. Non, pas du tout. Ils ont juste pas besoin. Ok. On a un gros rab en charbon là, va falloir en faire quelque chose. La série centrale électrique, ouais, ouais. J'ai pas moyen d'augmenter vraiment la conso. Là. Centre urbain. Ah. On va faire passer ça comme ça. Moteur diesel. Non, moteur électrique. Ça, ça pourrait m'augmenter ma production. C'est pas mal, ça c'est du pétrole. Donc non, ça m'intéresse pas. Transport peut-être, il n'y a pas un truc qui peut me faire consommer du charbon? Non, dommage. De l'acier mais pas du charbon. Ah, on a des trains électriques. Ah. Alors, ça me consomme 4000 d'électricité. Ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Là, je suis en rate de 3000 déjà. On va lancer 50. On va lancer 50 centrales. Alors, on va vérifier. On n'a pas l'infrastructure nécessaire. On va faire 50 centrales. Une fois que j'aurai ça, je mettrai les trains électriques. Donc, comment que ça se passe ici? Ça se passe pas mal. Ah, j'ai deux fronts. Ah, l'Egypte essaie de m'aider, mais. Attends, mais j'ai quand même quelque chose qui en apporte. C'est une blague? Tu escortes vers où toi? Ouais, t'exportes vers l'armée, d'accord. Ok, pourquoi il en perd plus? Il a pas repris sa capitale? Oh! Comment ça, il a repris sa capitale? C'est quoi cette blague? Non, je suis pas fan de genre de blague là. J'ai. Ça va pas me faire perdre un. Non. Ouais, non, je suis pas fan du tout de ce genre de blague, les gars. Comment ça là, on a perdu leur capitale. Vous vous démerdez, vous la reprenez. Donc j'ai refait un débarquement là. Je suis en train de programmer un débarquement. Arrêtez de déplacer des trucs, c'est bon, on a compris. Allez, voilà. On escorte ici. Voilà. C'est pas vrai. Ah, j'ai perdu la capitale, je me demandais aussi pourquoi moi j'étais dans le négatif, etc. Hey, j'ai perdu la capitale. Ah non, c'est fou. Qu'est-ce que tu veux? Non. C'est pas le moment. Monténégro, je ne te veux pas.
25 jours. Va falloir vous foirer, les gars. Ok, maintenant vous prenez la capitale. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir comment vous l'avez perdu. Je veux pas savoir comment vous la reprendrez. Ok, là c'est une défense. Oh! Vraiment? C'est quoi ce nombre de victoires là? Faites quelque chose les gars quoi. Heureusement, heureusement que ça fonctionnait, hein. Purée. Il est où lui? Il est où? Toi tu défends, j'en ai rien à foutre, toi tu défends. Toi là, toi tu vas attaquer, mais tu vas attaquer là. Y'a personne. Bon, j'ai repris sa capitale. Ça va pas jouer à grand chose. Hein. Fin du mois. Quelle idée quoi. Dans un sens ou dans l'autre, ça va vraiment pas jouer à grand chose. Hein. Et, ok, il a déserté ici. Enfin, il a déserté énormément. Il a fait beaucoup de troupes ici. On va en profiter. Là, il peut, il a un pouvoir de levée de bataillon, ce salaud là. Bon, après, par contre, en théorie, ça l'appauvrit. Hein. Là, normalement, je suis censé l'appauvrir comme il faut. Hein. Et il s'en banqueroute. Ah bah mince, ah bah. Pile, j'ai appuyé pile quand. Il a fait un traité de paix. On a libéré le territoire indien. La nouvelle Afrique. Et la nouvelle Angleterre. Donc on lui a retiré quand même. 5. 7 millions de population. On lui a retiré un petit paquet, hein, quand même 15-20% de population de base. Il y a encore un état. Il y a encore de la colonie à faire. J'avais pas vu. Et on l'a calmé un coup là. Voilà, il devrait plus nous embêter. Bon, côté positif, c'est que notre famille a baissé en attendant. Allez, on va continuer, on va enchaîner sur. La Sierra Leone. Bon, j'étais censé conquérir beaucoup plus de territoire, mais. Comme vous l'avez vu, ça n'a pas été vraiment faisable. Donc on va réannexer. Si il revient nous embêter, ben il reperdra des territoires. Et pareil pour tous les autres, hein. Je ne peux pas savoir. Les ruraux, ils sont comment les ruraux? 8%. Ils sont heureux, ils sont heureux, ils sont à plus 6 seulement, pile, dommage. J'ai pas voulu perdre le bonus de prod. Ok, on va les mobiliser. Arrive le Bertrand s'essouffle en Tripoli, ok. C'est pas grave, on a pourvu tous les postes. La Prusse soutient le Sierra Leone. Mais il est où la grange? Ah non, c'est le QG du Rhin, mince. Ah, ils sont en train de rentrer, ok. Voilà, Sierra Leone a renoncé. La Prusse, c'est un peu chiant à aller chercher par contre. Je vais pas vous mentir, ça m'aurait un peu embêté là. C'est vraiment un des seuls qui pourrait monter. Fouta Jalon. On enchaîne, on a perdu du temps, on enchaîne. Voilà, on a encore 32 ans, mais on enchaîne. Voilà. En rivalité avec la Belgique, tant mieux. Pétrole, pétrole cher, oui, d'accord, je sais pourquoi.
Mais on a de l'Ashanti. L'Ashanti, c'est quoi ça? Sous. Ah! Oh! Ah, mais ils ont abandonné. Donc l'Ashanti, toi. Oh le salaud, on en trêve du coup. Salaud. Est-ce que je peux conquérir? Ouais, on va prendre des territoires comme Bretagne. On va lui prendre ça. Conquérir l'État. Voilà. Il devrait pas trop hésiter, sauf s'il y a la Prusse qui vient l'aider. Mais pour un petit territoire comme ça, en vrai. En vue des objectifs que je veux lui mettre. Libérer l'Écosse. Libérer l'Angleterre. Putain, c'est la première fois que je le laisse aussi. Tu vas libérer Terre-Neuve et Malte. Hyderabad, qui est beaucoup plus peuplé. Beaucoup plus de production, etc. Et Terre-Neuve, voilà. Comme ça, s'il veut vraiment me tester, il va me tester. Il va voir la bêtise. Ok. Très bien. Donc, la Prusse viendrait l'aider. Ça me va. Ah, le jeu commence à bugger là. Oh là là, on a passé les 1900. Ça y est, c'est. C'est la cata. Alors, c'est pas sur votre écran, vous inquiétez pas, c'est partout pareil. C'est. Le jeu qui n'est pas du tout optimisé, hélas. Il faut le redémarrer régulièrement, donc c'est ce que je ferai. On va mobiliser tout le monde, hop. Je veux des péons là. Je veux des péons ici. Je veux des péons ici. Je veux des péons ici. Je veux des péons. Non, pas eux. Je les ai pas mobilisés ? Pourquoi pas ? J'en veux ici. Et j'en veux ici. Voilà, es-tu sûr que tu veux rester là, Grande-Bretagne? Non, parce que là, t'es dans le caca. Ouais. Je veux pas. Impoliment, mais tu es dans le caca. Ok, on a du vert. Combien on consomme? On va passer là-dessus. Hein. On va passer là-dessus, le verre est très cher. Alors normalement j'ai ce qu'il faut. 7? Attends, mais j'avais lu 4. J'étais persuadé d'avoir lu 4000 et pas 7000. Oh. Bon, après les routes commerciales, là j'arriverai à 11000. Arrêtez de me pomper du pétrole. Parce que j'en vends clairement pas par moi-même. Comment ça se fait que ça a changé? Ah oui, oui c'est... Port, hop, parfait. Dirigé par le gouvernement. Et route commerciale, là, arrêtée. Eux, déjà. En mettant d'embargo les Prusses. Et l'Autriche, là, voilà, comme ça, ça va les foutre dans la mouise, hein, tout simplement, hein. Ça va les foutre dans une bonne mouise, et moi, ça me remet bien au niveau, enfin bien, ça met de manière correcte, pas en pénurie, il me semble, voilà, c'est juste cher, mais on n'est pas en pénurie de pétrole, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin par contre, hein. Alors que j'allais conquérir des endroits dans lesquels il y a du pétrole. Hein. Ouais. La Tripolitaine très très certainement. C'est où? Ok.
Ah, c'est bien, ils sont très inquiets, mais on dirait qu'ils veulent pas abandonner. Ouais, une bonne défense. Ils ont renoncé. Ils ont renoncé. Une bonne chose. Donc on a repris un petit territoire là. C'est parfait. C'est parfait. Portugal. Portugal, je peux en prendre un aussi. À prendre. Alors ça dépend au niveau des ports, qu'est-ce qu'il a? Il a 5 ports ici. Il a pas de port ici. À prendre le Mozambique parce qu'il a tous ses ports au Mozambique et donc là ça va galérer pour lui. Et ce sera, je pense, la dernière action de la vidéo. On va conquérir. Ça fait combien un pays fantoche? Ouais, bon, faut pas déconner non plus. L'Autriche, la Prusse pourrait rejoindre. Bah écoute, hein, qu'ils viennent, ils ont plus de pétrole. Qui c'est qui les soutient? Alors ça déjà on s'en fiche. Ça aussi. Ils sont soutenus par le Maguindanao. Maguindanao. Je sais pas trop où c'est, ça doit être par là-bas. Je vous dis le Portugal, il pourra faire de toute façon. Expliquer pourquoi. Hop, attaquer des convois. Chut, voilà. Oui, bah oui, effectivement. Par contre, il envoie pas des troupes. Alors, on va mobiliser. On a pas mal d'électricité et on voulait faire passer quelque chose en construction. C'était le chemin de fer. Par contre, ils sont pas tous comme ça. Voilà. Ce qu'il faut et électrique plus 1000 moteurs. Ah, je l'avais pas prévu ça. Ou pitié, ou pétard, 3000 moteurs là. 3000 moteurs, ça fait 45 niveaux. Ok, on va faire 50. Et je suppose que je vais avoir besoin également de pas mal de fer. Ça devrait être pas tant que ça. Hop, voilà. Alors, par contre, s'il n'abandonne pas, on va faire libérer le Cairn. Là, il n'y a pas grand-chose et j'ai pas envie d'aller en Autriche, c'est chiant. Surtout qu'il est assez badass. Ouais, il a une bonne armée. Ouais. Le faire changer de régime. On va lui faire des réparations. On va mettre au fond de toutes les manières possibles. On va le faire ouvrir son marché. Ça, c'est pas intéressant. Ok. Je peux prendre d'autres choses. J'ai pas autre chose de vraiment intéressant à prendre. La bonne question, enfin la vraie question, c'est va-t-il continuer?
Samara. Toujours pas chez moi ça. C'est chiant. Ah. Ok. Ah oui, mais ça va, je pille la route de rapprochement normalement. Ah oui, bah ils sont obligés de faire tout le tour vu que le canal du Panama il est à moi. On devient rapé roue, Lévi, ok. Donc je sais bien, je pille leur. Ouais, voilà, il a abandonné. Il y a une petite partie là du Portugal en Zambézie. Il y a un petit truc là comme ça, il dit, ah, on est là, coucou. On est isolé, à l'aide. Oh, c'est les montagnes après, c'est sympa. Hein. Ça doit être sympa quand même. Paysage et tout. C'est bien, regarde. On a repris tout le Mozambique là. Il ne reste pas grand-chose du Portugal, le Transvaal, qu'on pourrait aller chercher. Et bon, ça va alors. On n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu. On a pris une partie aux Anglais, il me semble, Angola, je sais plus, il me semble. Ouais. On a repris la Libéria, la Sierra Leone. On a pris le Mozambique et on a tapé sur l'Américain qui s'était interposé entre nous et la Libéria. Ils sont parvenus après, étrangement. Allez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!